Oh là là, c'est du lourd ça. Ça fait plaisir, frère. Le temps que j'attendais Leilo, frère. Oh là, merci. Merci pour ceci. C'est incroyable. Hey, salam alaikum. Mes très chers abonnés, on se retrouve les amis aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'a pas été demandée. Voilà, je vous le dis franchement. Je veux le faire de moi-même parce que je trouve que c'est un featuring incroyable. Déjà que Leilo, il prépare un truc, je crois, un album qui sortira bientôt. Un album ou une mixtape ou une EP, j'en sais rien. Mais il y a un projet qui arrive. En plus, là, il nous lâche quoi? Un featuring avec Alpha One et 8. Bon, 8, je connais pas trop, mais Alpha One, frère. Voilà, avec son Don Dada, il a fait plaisir. Donc voilà, Leilo, le mec sombre, le mec dans son truc, dans son délire, dans le rap français. Moi, il y a que très peu de rappeurs qui ont genre leur truc dans leur monde, tu vois. Et je peux citer Kekra, tu vois. Kekra, il a son petit délire et tout. Il y a l'autre Timal aussi, il est à fond dans son délire, il y a beaucoup qui aiment ça. Leilo, frère, c'est autre monde aussi, les vibes et tout. Ça se rapproche plus du Kekra, voilà. Mais bon, on va pas parler de ça. Aujourd'hui, on est là pour Stuntman, voilà. Donc, il y a un clip officiel, on va voir ça. Leilo, on attend l'album. Dites-moi si vous voulez une réaction sur l'album qui arrive bientôt. Donc, on se retrouve aussi pour la première écoute sur l'album de Jul, le 25 juin. C'est confirmé, on va la faire. Et voilà. Donc, c'est parti pour que t'es Leilo, Stuntman featuring Weed and Alpha One. J'espère que ça va être bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas de t'abonner, d'activer la cloche deux fois, tu vois. Comme ça, tu es sûr, frère. Et aussi de faire un petit tour sur mon Insta, il est juste en bas. Est-ce que tu es prêt? Let's go! Donc, les amis, ce que je vais faire, je vais laisser le clip là, comme vous le voyez, en petit. Et à côté, j'ai mis les paroles. Comme ça, on capte le délire, on capte les bails. Qu'on rate pas grand chose, tu vois ce que je veux dire? On a le clip, on a les lyrics, comme ça, il n'y a rien qui va, tu vois. Il n'y a rien qui part, je veux dire. Je ne veux pas dire il n'y a rien qui va dans la vidéo. Voilà, comprenez pas le contraire, mais bon, c'est parti. Il n'y a rien qui s'en va, voilà, c'est ce que je voulais dire. Déjà cette voix, frère, unique, tu vois ce que je veux dire? Quoi, tu es bon qu'à nous porter l'œil, frère. Oh là là, c'est du lourd ça. Ça fait plaisir, frère. Le temps que j'attendais Leilo, frère. Oh là, merci. Merci pour ceci. C'est incroyable. Attends, aussi la prod, frère. Elle est incroyable. By Banks Beats. S-Boy, Mingo et Sofiane. Voilà, ils étaient plusieurs quand même à la faire parce qu'elle est pas vraiment simple. Hein. Écoutez bien les trucs. C'est vraiment les instrumentales utilisées. Comment ils ont mixé ça, tu vois. Le mastering, il est incroyable. Si j'ai pas les lyrics, j'allais pas de suite capter qu'il allait dire « Oh, Kong, Fu, Bruce Lee !» Tu vois comme il le fait? T'inquiète, on se capte à l'heure. Comment tu gardes le seum comme un porte-bonheur? C'est un sujet de philo, ça. Mais y'a que Leilo qui peut nous le dire. Pas mal, cette technique. J'ai kiffé, là. Comme tu as vu comme il a charbonné? Je suis que dans le studio, poussé tellement le passé. Oh là 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 là, pas mal. Attends. Ah mais dans Dada, là ça veut dire Alpha One, il va faire son entrée. Bon, le clip on n'a pas trop parlé pour l'instant, mais voilà, je valide, frère. 14 Paris, CEDEX, Philippe Ringo le fédérateur. J'espère que tu me reçois comme FedEx, fais un phrasé lunaire. On l'a pas explosé en retard, on est juste à des années-lumière. J'ai pris du gagnerie, pécopie, fuck un hélico. J'ai un savant armé, faut des flingues d'édico. Oh là 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 là, il est trop chaud, mec. Mais je m'attendais pas du tout à un featuring. Je me disais un jour, ouais, ça peut coller. Ça peut coller, frère, si tu me le proposes comme ça. Mais j'ai pas eu dans la tête un featuring Alpha One et Leilo, frère. Alors que ça colle, frère. Tu vois, les deux univers, comment ils posent, leur technique, leur façon de rapper. C'est du lourd. Et oui, aussi, c'est une découverte. Il a découpé son couplet. On a le rap de Kendrick Lamar. Et on a le refrain des Migos, qu'est-ce que tu veux? Ouais,
Chaque projet, c'est un best-of. Je valide. J'attends le projet, frère. Donc voilà les gars, c'était ma petite reaction aujourd'hui sur 8, Laylo et Alpha One. Sur ce son, franchement, Statement, elle était vraiment pas mal, hein. Non, je suis grand valeur. Je crois qu'elle va aller directement à la playlist, mon gâté. Parce que voilà, c'est le retour de Laylo, là. On que demande le peuple. Là, je crois, en juin, juillet, c'est rempli d'albums, hein. C'est rempli de projets. Et dites-moi, n'ayez pas honte. Voilà, il y a les commentaires, c'est fait pour ça. Si vous voulez un album, dites-le. Comme je vous disais, le seul qui est confirmé pour l'instant, je sais pas si je vais faire RK, je sais pas si je vais faire Laylo, j'hésite encore. J'aimerais trop le faire, mais je sais pas si vous êtes chaud quand on le fait, tu vois. Je le fais pas pour 50 vues, ça sert à rien. Voilà, mais Jules, j'ai vu que vous êtes chaud et même moi je suis chaud. Du coup, Jules, ça va le faire direct. Et voilà. Mais bon, SCH on l'a fait en entier, Booba on l'a fait en entier. Voilà, quand j'ai vu que vous étiez chaud, je le fais moi. Bref. Peut-être qu'il va nous envoyer un petit deuxième extrait d'ici la sortie du projet. Mais bon, là pour l'instant on donne un petit 9 sur 10. Voilà, pour le clip, pour les vibes, pour la mélodie, pour la voix de Laylo, pour les lyrics, comme tu veux frère. Bref, 9 sur 10, c'était ma note, c'était ma reaction aussi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de s'abonner et d'activer la cloche pour plus de vidéos. Je vous retrouve à la prochaine fois, prenez soin de vous. Bye bye. J'ai baissé la vitre, rassuré la mif, j'ai changé de vie. Y'a rien qui est acquis, des fois t'es l'abîme, tu perds la vie. Les caméras filment, mais j'ai pas envie, dévoiler ma vie. J'ai changé d'avis pour changer l'avenir, des années à vivre.